saison sur F1 2014 sur le circuit de Sochi en Russie pour les qualifications. Et donc, comme vous pouvez le constater, ils annoncent de la pluie pendant les qualifs et particulièrement pendant les trois séances, et surtout dans Q2 et Q3. Q1 qui devrait se dérouler assez sur le sec hein, normalement. Et donc, comme pour les essais libres, j'ai fini à la 13e place. Je me dis qu'il est plus prudent de sortir tout de suite tant que la piste est sèche avec les pneus tendres, au moins comme ça on se fait pas surprendre. Attention ici de pas heurter la Caterham de Kobayashi ou se faire heurter par la Caterham. Hein. Alors circuit de Sochi que je connais pas énormément hein, tout simplement parce que fin 2014 j'y ai pas forcément passé énormément de temps et donc c'est un circuit comme celui d'Autriche hein, qui a été rajouté lors de cet opus et du coup j'ai pas eu beaucoup d'occasions pendant lesquelles j'ai pu tester ce circuit. Néanmoins on va tester on va tâcher de faire la meilleure chrono possible. Là je prends un petit peu d'aspiration sur Kobayashi. Grosjean ici qui s'écarte pour nous laisser passer. Ça a été un peu chaud parce que je pense qu'il savait pas trop où se mettre. Alors énormément de virages hein, comme ça et qui s'enchaînent. Il fait penser un peu à des secteurs au circuit des États-Unis. Alors, au niveau des réglages, je suis parti sur des réglages médians proposés par le jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils annoncent aussi de la pluie pour la course, à faible dose, mais quand même un petit peu de pluie. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et du coup, j'ai préféré prévoir des réglages qui soient mixtes, entre guillemets, pour avoir une voiture la plus responsive possible. Ah, évidemment, pour l'instant, j'ai les secteurs en violet. Pourquoi ? Parce que personne n'avait descendu de chrono encore. Mais là, ça va commencer à arriver. Et du coup, avec le nombre d'erreurs que je fais, c'est vrai que c'est pas un circuit facile. Hein. Il y a pas mal d'enchaînements de virages, surtout dans le début du secteur 3, hein, qui sont assez, assez sympas, mais en même temps assez techniques. C'est un 1.48.320. Pour l'instant, c'est pas forcément terrible, mais il va falloir faire beaucoup mieux pour pouvoir prétendre accéder à Q2 et Q3. Sachant que les ténors sont pas encore en piste. Enfin, du moins, ils sortent juste maintenant en piste. Secteur en amélioration. Deuxième zone de DRS ici, c'est que j'ai oublié de citer la première. J'ai loupé mon freinage pour les bingles. Ça sort large encore ici. Ah, on va lancer encore un dernier tour et puis on rentrera au stand parce que de toute façon je pense que la pluie va pas tarder à commencer. Donc première zone de DRS ici. Hein. Et
si on arrive sur un énorme freinage. Massa qui vient de s'emparer du meilleur chrono en 1.44 et des brouettes. J'en suis loin. Dans le premier secteur, pas d'amélioration. Et si on était gourmand sur le vibreur. On va voir l'issue du deuxième secteur, ce que ça donne. Et ça n'améliore pas non plus, hein. Toujours un dixième de retard. Bon, du coup, je vais rentrer au stand pour les remettre un peu de fuel. Et puis retenter ma chance avant que la pluie détrempe la piste. Dans un des stands qui est particulier. Alors pour l'instant, c'est le 12e chrono. C'est loin d'être excellent. On va regarder l'usure des pneus. Les pneus sont à 87%, on va remettre un train de pneus neuf et puis on va repartir hein, immédiatement. Et on est 17e comme vous pouvez le constater. Il va falloir vraiment faire un tour d'amélioration parce que sinon on sera éliminé des Q1 et ça serait clairement la honte. Cette fin de saison qui est laborieuse avec la Ferrari. Alors pour l'instant au niveau des propositions de contrat, donc on m'a fait une offre chez Marussia et chez Caterham. On m'a fait une offre aussi chez Sauber. Mais bon, ça c'est juste à titre d'information hein, dans la mesure où la prochaine saison se fera sur F1 2015. Je vous rappelle par la même occasion que je mettrai au moment voulu un vote pour que vous choisissiez dans quelle écurie je piloterai, dans la peau de quel personnage. Alors je sais que parmi les commentaires sur certaines vidéos qui sont déjà sorties, beaucoup d'entre vous se sont prononcés sur le sujet. Mais comme pour l'instant le sujet n'est pas encore d'actualité, je n'y tiens pas forcément compte. Je les lis, hein, bien sûr. Mais bien évidemment, seuls les votes compteront. Alors, ce sera pas un tour d'amélioration manifestement, et en plus la pluie commence à arriver. Ouais, j'aurais amélioré de 21 millièmes, ce qui me permet d'accéder à la 16e place. Juste au nez à la barbe de Button qui, faisant lui confiance, va améliorer son chrono lui aussi et devrait me faire sortir de Q1.
a-t-il loupé ici? Deux dixièmes de mieux dans le premier secteur, dans le deuxième secteur, pardon. On est en amélioration sur tous les secteurs, mais restons concentrés. C'est pas le moment de commettre une erreur comme ici, parce qu'on a vu qu'on est repassé de l'autre côté de la barrière. Et pour l'instant, même Button n'a pas amélioré. Le pilote britannique aurait-il eu des désagréments avec sa voiture? Oh là là, laborieux hein, ce tour, sur la fin surtout. Allez, on tente une dernière fois, mais j'ai peur que la piste commence à devenir un peu trop humide. Cette Ferrari hein, que je maîtrise pas du tout sur ce circuit. Le problème, c'est aussi le circuit que je connais pas forcément très bien, et sans les marques de freinage. C'est pas forcément le plus simple, mais bon, on va y arriver. Premier secteur en améliore de 4 dixièmes, hein, attention, grosse amélioration du premier secteur. Essayons de ne pas gâcher cette amélioration dans les secteurs suivants. Du deuxième secteur, ce que ça dit, et on améliore encore, mais c'est plus que 27 millièmes, c'est pas grand chose. Et ce sera le seul tour hein, qu'on pourra marquer pour marquer un chrono, et ça améliore pas, et j'ai envie de dire que ben, j'ai malheureusement le sentiment que nos qualifications vont s'arrêter là, même si j'étais en amélioration dans le premier secteur. Ça n'aura pas suffi. Et puis en plus là je copie la trajectoire. Qualification calamiteuse. Là, on est vraiment pas dedans. Après, je me cherche pas d'excuses. J'ai vraiment fait un pilotage médiocre, ce qui explique mes chronos. Mais Sochi, pour les qualifications, c'est vraiment pas un circuit pour moi. Je tourne 3 secondes moins vite que Hamilton. C'est pour dire un petit peu la cadence que mènent les pilotes de tête. Même ici dans l'épingle, mais je pense que la pluie y est pour quelque chose, parce que même si j'ai ouvert le frein un peu trop tard, j'ai vraiment eu le sentiment de perdre la voiture complètement, impossible de faire quoi que ce soit. Donc ça a été tout droit. Bon ben, chers amis, je vous annonce que je partirai de la fonte grille pour cette course. Ça va être une course compliquée.
Je sais pas ce qu'on pourra faire pour cette course, mais en tout cas, des qualifications courtes, vous en conviendrez. Cela vous fera une vidéo pas trop longue, du coup, hein, c'est pas plus mal qu'en même temps. Et il reste 15 secondes, même pas 10 secondes. Et la séance est levée. Et je me retrouve à la 18e place, à l'issue de Q1. Parmi les éliminés, on retrouve Nico Hülkenberg, hein, qui lui aussi a été piégé un petit peu par ce circuit. Et du coup, il fait partie des éliminés, ainsi que Marcus Ericsson, Max Chilton, Jules Bianchi et Kamui Kobayashi. Notons donc les meilleurs chronos des deux Mercedes et Fernando Alonso qui est à la 4e place derrière Valtteri Bottas. Voilà, cette séance de qualification qui est terminée pour moi. Je vous dis donc à dimanche pour la course. Désolé hein, pour cette conduite plutôt médiocre, cette séance de qualification qui se termine très tôt. Je sais que Cyril Roche, qui fait de très bons commentaires tout le temps sur la page Facebook, manquera pas de me donner son opinion sur le sujet. Mais j'en suis désolé et je vous dis donc à dimanche. Allez, salut à tous.